Hé, tu sais ce qui se passe à Neuville-en-Ferrin? Non? T'inquiète, je te mets au parfum. Neuville, c'est une ville du nord de la France, dans le 59, ou le 5-9 si tu préfères. Là où tu retrouves des frites, des briques et surtout des projets engagés. D'ailleurs, cette année, pour relocaliser une partie de la production du groupe Fashion Cube, dont fait partie Jules, ainsi que Pimki, Bisbee, Grain de Malice, etc., on installe une usine de jeans nouvelle génération qui s'appelle Orio, le Fashion Cube Denim Center, et qui se situe à Neuville-en-Ferrin. Bienvenue au Fashion Cube de Nîmes Center. L'ambition de notre site est de produire des jeans made in France, accessibles à tous, dans le respect de l'homme et de l'environnement. J'aurai le plaisir d'accompagner une équipe de 24 personnes. Nous allons nous appuyer sur la diversité de leur parcours et de leurs talents pour construire notre équipe qui atteindra à terme 100 personnes en 2024 et produira 410 000 jeans dans le Nord. Tous nos futurs jeans Jules, produits dans cette usine, seront made in Nord. Pourquoi l'écrire avec 3 O? C'est pour 3 bonnes raisons. O pour éco, O pour local et O pour social. Grâce à cette nouvelle usine, 100 emplois seront créés. Ça veut dire 100 personnes prêtes à en découdre. Donc ce qui me plaît dans le projet Fashion Cube, c'est de participer à une initiative qui met en avant de nouvelles manières de produire des vêtements, donc plus responsables, qui est ancrée dans les défis actuels liés à l'écologie. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le côté éthique de ce projet, la relocalisation de la production. Et je trouve que ça envoie un message d'espoir pour l'avenir. Ce qui me tient à cœur sur Fashion Cube, c'est d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles techniques et de m'améliorer en tant que couturière. On est fiers que le premier jean made in Nord sera le 5-9, en hommage à la région. Tu suis? Un jean en toile 100% recyclé, signé par celui qui l'a conçu et délavé à l'ozone et au laser pour consommer moins d'eau. On compte sur toi pour l'entretenir comme il faut afin de le faire durer le plus longtemps possible. C'est ça aussi, consommer moins et mieux. Et voilà, tu connais notre première bonne résolution de 2022. Tu veux savoir quand il sera dispo? Rejoins-nous sur jules.com.